عطينا الذاكرة ثاني وحاولنا نتأكد من الزاوية الثانية. Le théâtre permet aussi, encore plus qu'en télévision, d'amener les gens en immersion, je pense. On amène les gens en immersion avec nous, avec des rushs assez longs, pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être dans un avion, ce que c'est que d'être sur un bateau de sauvetage. Il y a eu plusieurs étapes de construction dans ce projet-là. La première étape, c'est Jean-Baptiste qui est monté dans le Colibri, l'avion d'une ONG qui s'appelle Pilote Volontaire. Et il a ramené des images de bateaux qui continuaient de quitter la Libye dans un moment, à l'été 2019, où les bateaux de sauveteurs n'allaient plus dans la zone. Je suis monté sur l'Ocean Viking et on est parti en Libye avec Jean-Baptiste quelques semaines plus tard. Le chaos faisait que des milices locales, notamment la milice de Zawiya, avaient plutôt intérêt à se dire qu'en mettre des journalistes sur place dans Zawiya pour montrer que les forces d'Haftar bombardaient, ça pouvait servir leur cause. On est dans une période très tendue, une période où la guerre se rapproche de Tripoli. On a une responsabilité forte aussi en Europe. Il ne faut pas dédouaner les Libyens, mais il faut savoir prendre aussi notre part de la responsabilité et y réfléchir vraiment collectivement. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas réfléchir. Et donc là, voilà, il y a cette espèce de volonté d'aller vers le public, de raconter les choses aussi un peu plus en profondeur. Et la scène, elle permet ça, quoi. On s'est rendu compte à plein de moments dans le spectacle, au moment de l'écrire, que Mamadou pouvait dire les choses beaucoup mieux que nous sur certains points. Et donc, du coup, on a pris des notes sur ce qu'il nous disait, on a écouté ce qu'il disait, pris des notes, et puis on a. Il y a des choses pour lesquelles ils ont. Voilà, des choses bêtes, même, on peut dire, on parle beaucoup de la Convention de Genève, etc. Bah, moi, j'étais incapable de citer la date de la signature de la Convention de Genève de tête. Chez Mamadou, c'est. Voilà, ça fait partie de sa vie, c'est sur les documents de son père. Tout le monde connaît cette date. Et tout le monde connaît le défi. Je suis bijoutier et en même temps acteur, comédien. Je suis originaire de Mauritanie, mais j'étais au Mali. Comme je suis sorti au Mauritanie depuis l'âge de 10 ans, 11 ans comme ça. Il y a des moments qu'on ne peut pas oublier. Comme maintenant traverser la Méditerranée, c'est risquer sa vie. On ne peut pas l'oublier. Ça restera, c'est un souvenir qui restera toujours dans la mémoire.